Salut à tous! Ici Doudou pour une démo incroyable aujourd'hui sur Doudou and Games. Parce que je suis tout seul, je vous présente la démo d'un jeu qui s'annonce être incroyable. Night Runners, basé sur la pratique du Wangan dans les années 90 au Japon. Nous allons commencer une nouvelle carrière où j'ai effacé mes données juste avant et ça m'a fait une fausse intro que j'ai effacée. Alors, hello, my name is Yus Keyboard. C'est un drôle de nom. Eh ben, c'est pas... va pour Doudou. Non, Doudou, c'est rare. Ce sera dégueulasse pour le jeu. Vous savez quoi, on s'en bat les couilles. C'est quoi? C'est pas le surnom qui rend légendaire. C'est la légende qui fait le surnom. Enfin, qui fait la réputation du surnom. Douze heures restantes. Salut Doudou, bienvenue au Japon. C'est sympa de te voir là. Bon, je sais que je t'ai dit que tu pourrais conduire à ma voiture, mais bon, j'ai vendu toutes mes caisses. Écoute, il y a une boîte à chaussures dans le garage. Il y a suffisamment de cash dedans pour acheter une voiture d'occasion. Ah merde, écoute, faut que j'y aille. Je te verrai plus tard. Bon, bah écoute, voilà. Donc nous venons... N20, oh, énorme. Nous venons d'arriver au Japon sur les conseils d'un ami, c'est ce qu'on comprend avec ce dialogue, hein. Et nous arrivons dans un garage pourrave, avec plus une seule caisse, alors que le mec avait dit « tu vas voir, je fais du JDM et tout ». Ouais, alors pour ceux qui savent pas, JDM, de mémoire, c'est Japan Domestic. En gros, des voitures du Japon, quoi. Et le mec nous a invités, il nous a pris dans un traquenard, vous allez comprendre le traquenard. Où est la boîte à fric? Boîte à chaussures. La boîte à chaussures. Hop, je prends. Ouah, 862 yens, énorme. 862 000 yens, pardon. Oui, on est au Japon. Un message. Ok. Va voir l'ordi et achète une voiture. Ok. Les musiques sont trop bien aussi. Alors, les voitures sont toutes les mêmes à part la couleur, donc on va prendre la moins pourrie des moins chères. Alors, ça, propulsion, problème d'allumage du moteur. Ok, non. Tout est écrit en japonais, je peux en écrire beaucoup. Automatique en plus, non, on va prendre une boîte manuelle. Manuelle, misfire, ok. Et une place sur le siège, une tache bizarre sur le siège arrière. Probablement du sperme. On s'en bat les couilles. Pas de carburant et... un problème de hauteur, mais s'il vous plaît. Ah voilà, alors. Nice Livizia, bon c'est une... C'est une Nissan, hein, voilà, Nissan Silvia. Manuel à 4 en ligne, aucun problème. 1989, coûte combien? Coûte 600 000 balles, c'est cher quand même. Est-ce qu'on peut pas trouver moins cher? 660. Elle pue la cigarette. On va prendre celle-ci, la couleur est dégueulasse, mais c'est pas grave. Et elle pue la clope. Mais de toute façon, notre perso fume, donc voilà. Tu veux voir un peu?
Ok, bah va pour celle-là. Allez. Oui, je sais, on peut pas changer la transmission. Oui, j'achète. En espérant qu'il a retenu mes paramètres de commande, probablement pas. Nouvelle voiture au garage. Bon, bah écoute, c'est tout. Oui, je veux, j'ai plus d'argent, connard. Ok. Voici la caisse. Ah, putain, l'huile. Bah écoute, voilà, changer d'huile. Hop. Voilà. Voilà. Le moteur est en jaune, mais ça changera rien. Alors du coup, intérieur, customisation. Non, c'est pas ce que je voulais faire, attends. Du coup, attends. Ah oui, oui, c'est vrai, on est. Oui. Oui, c'est vrai, on est au Japon. Oui. Alors. Intérieur mail, c'est quoi ça? Ah oui, voilà. Voilà, on peut tout enlever. Regarde ça. Hop. Et comme ça, on gagne du poids. Hop, regarde ça. Hop, là, j'enlève le siège passager. Déjà, j'ai une voiture beaucoup plus légère comme ça, là. Bon, plus sérieusement, allons la conduire. Hop. Oui. Salut, Dodo. N'aie pas peur, c'est vraiment un prénom de merde que t'as au fait. Je crois que nous avons un associé mutuel. Il se trouve qu'il a des dettes impayées avec mon organisation. Et maintenant, tu arrives ici, tu n'as rien, mais tu sors de son garage avec une voiture neuve. Tu vas l'utiliser pour gagner l'argent qu'il me doit. J'espère que tu sais conduire. Il t'a donné une sacrée dette, 6 millions d'yens. Reste dans la ville. Vous êtes maintenant endetté. L'argent de la dette ne vous sert qu'à parier. En gagnant des courses, vous allez rembourser la dette de votre pote qui est maintenant à vous. Ce qui explique pourquoi il s'est barré et qu'il vous a laissé dans la merde, ce fils de pute. Si vous perdez tout l'argent, votre voiture sera prise à la place. Et ce sera le game over, bien évidemment. Vous avez reçu un nouveau message. Va à Tatsumi PA pour faire la course, ah oui. Alors, l'orientation dans ce jeu, c'est une catastrophe. Et la caméra extérieure, c'est un cauchemar. Ils ont fait un truc ultra stylé où la caméra s'envole pour vous donner plein d'angles de ta voiture. Le problème, c'est que du coup, tu vois pas où tu vas. Tu sais, chez moi, il y a des nouveaux compteurs, au fait. Comment je change de vie déjà?
Ah ok, alors là c'est le frein à main, ok. Avec select, bien sûr. Question logique. Changer de vue pourtant, mais ça fait toujours la même merde. Voilà, et du coup c'est stylé, mais tu vois rien. C'est pour ça qu'on utilise que la vue intérieure dans ce jeu. Mais la vue intérieure a un défaut énorme. C'est qu'avec elle, tu vois pas dans quelle vitesse t'es. Donc on va faire quelques courses. Et la prochaine fois, j'aurai customisé la bagnole. À 21h30. Arrivé à Tatsumpira. Territoire de la G-Company. Vous n'avez rien. Vous êtes une sous-merde. Vous appelez les autres pour faire la course. Mais faites attention aux mecs avec une haute réputation. Alors en vrai, les PNJ sont tous à chier. Choisissez les concurrents avec une réputation proche de la vôtre. Vous pouvez voir votre réputation en ouvrant votre téléphone. Voilà, là-haut, j'ai 0x0. Mais j'ai une dette de cash. Enfin, j'ai une dette que je peux parier. Tu peux parier ta dette. Ce qui est en fait exactement ce qu'on fait avec l'argent aujourd'hui, puisque l'argent n'existe plus. Aujourd'hui, tout ce que vous avez entre vos mains, c'est des billets qui n'ont pas de valeur et qui valent pour une dette. On va commencer par lui. C'est qui ? Daisuke ! Daisuke ! Un petit duel, Daisuke ? Même mort, je rentre pas dans ta bagnole, frère. T'as de la chance que ce soit une manuelle. Je te propose une course pour 330 000. Donc, à la louche, 3300 balles. On est en yens, c'est... Alors, c'est pas exact, parce qu'il y a des décimales en vrai, mais si vous voulez un ordre de grandeur de la valeur en euros à partir du yen, t'enlèves 2 zéros. Tu décales la virgule de 2 crans. Ça te donnera pas le prix exact, mais ça te donnera un ordre de grandeur. Allez, course numéro 1 contre Daisuke. De Yume no Shiba Park au tunnel de Kiba. Il faut faire un appel de phare pour commencer la course.
Bon, le problème, c'est que le GPS est très dur à lire aussi. Je me plante très souvent. Et si vous voulez recommencer une course, ça vous donne, vous avez une pénalité à payer. Pour l'instant, ça va, c'est quand on va arriver dans les tunnels que ça va être chiant. Sachant que pour s'orienter dans le jeu, c'est un cauchemar aussi. Oui, il y a vraiment pas de concurrence de leur dire. J'adore comment la musique s'arrête dès que tu pars en vitesse. Vraiment, la musique est exclusivement liée à la vitesse du véhicule. Et ça rend le jeu formidable. Ce jeu a très bien précisé comment donner une bonne sensation de vitesse aussi. C'est là, c'est là. Je vois la fin de la course. Ouh, c'est gagné. Et hop, de l'argent, multiplicateur. Putain, ça monte, hein. x0,5, réputation 729, 300 000 balles de plus. Et l'adversaire est salé. C'est beau, hein. Et vous voyez, dans le jeu final, comme ça, il y aura... Il y aura au moins trois zones, une un peu plus urbaine rue entre les immeubles et une un peu plus toguée comme dans Initial D. Donc probablement avec un hub à chaque fois et à chaque fois une réputation, j'imagine, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a que l'autoroute, c'est pas si grand que ça. Mais comme tu te perds, ça n'a pas d'importance. Avant de finir la vidéo, voilà, je vais juste vous montrer un tout petit peu tout ce qu'on peut faire niveau customisation. Par exemple, voilà, extérieur front end, par exemple, ça c'est quoi? Enable une prologue, vous voyez, il y a plein de trucs qui sont pas encore disponibles. Et vous voyez, si c'est disponible, il vous dit, il vous propose d'acheter des morceaux. Par exemple, voilà, je peux acheter des morceaux. Alors, X? Ok. Ah, enable, ok, d'accord. Ouais. Par exemple, le handling, donc c'est le la transmission directionnelle, la colonne de direction. Et le châssis, j'imagine. Peut-être pas être très esthétique, par exemple, voilà. Je peux, hop, ah oui, je peux améliorer les freins. Stock, street, circuit, prototype. Mais ça, après, ça, vous voyez, c'est juste...
Là, pour l'instant, vous voyez, c'est juste des trucs. Vous voyez, en haut, vous avez l'argent que j'ai en yens et la dette en dessous. Et donc, vous voyez, là, c'est des trucs, je peux les modifier, mais il n'y a rien de vraiment visuel, pour le coup. Et par exemple, si je vais sur autre chose... Par exemple, je décide de faire les changements au niveau du moteur. Vous pouvez skip, hein, c'est écrit, mais j'ai toujours peur de ce qui se passe quand je fais ça. Par exemple, vous pouvez changer le filtre à air. Et vous voyez, ça change... exhaust manifold, la vanne d'échappement. Vous voyez, ça change les trucs derrière. Par exemple, si je change l'intercooler, et ça change les trucs déjà. Le radiateur, les bougies, par exemple, voilà le turbo par exemple, oui, je peux changer le turbo. Toc, circuit, prototype, vous voyez, ça change pas mal de trucs. Je peux même changer le bloc. Et ça change rien, ok, très bien. Arbre à cam, de différents profils, j'imagine. Les pistons, l'huile, le CU, bref, vous pouvez tout changer. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand vous allez sur l'apparence de la voiture. Déjà, les roues, vous pouvez les changer aussi, évidemment. Intérieur, extérieur, front, extérieur. Hop. Acheter des pièces. Par exemple, voilà, si je décide de changer les phares, par exemple. Vous avez plein de pièces comme ça. Pare-choc avant. Les ailes. Le capot. Et vous avez des dingueries comme ça, par exemple, side skirt, side mirror, side rétroviseur, ça c'est la jupe. Par exemple, voilà, pare-choc arrière, je peux le changer. Les ailes aussi. C'est vraiment des trucs dégueulasses. Mais tu peux aussi changer, par exemple, toute la face arrière. Tu peux changer le coffre. Oui, il y a des trucs sympas. Et tu peux aussi rajouter un aileron. Et puis après, il y a aussi l'échappement. Et puis tu peux rajouter un aileron de toit. Et puis tu peux changer les portes. Ah, les portes, il n'y a que carbone ou normal. Ok, très bien. Et oui, il y a plein de trucs comme ça. C'est très customisable. Et après, il faut les installer manuellement, comme on a fait tout à l'heure quand on a enlevé les sièges de l'intérieur. Moteur, induction, ça c'est pas encore le... Ça c'est force induction, en fait, c'est quoi Soit c'est l'injection, mais injection c'est injection, il me semble, donc ça doit être plutôt l'arrivée d'air. Alors ça doit être pour changer de turbo à compressé ou atmosphérique, je pense. Alors, engine swap, c'est pas encore disponible dans le prologue. Vous pouvez pas changer le moteur encore. Vous pouvez peindre la voiture. Vous pouvez éditer les motifs. Et vous pouvez même... extra, rajouter des néons, y compris à l'intérieur. Donc voilà, très customisable, un gameplay assez sympa, très peu de choses à faire à part faire des courses en boucle pour pouvoir customiser votre caisse, mais c'est déjà pas mal. C'est un jeu qui serait sorti sur PS1, ça aurait été une dinguerie. Ça aurait juste manqué un peu de contenu. Et ça sort avec les technologies d'aujourd'hui, avec des graphismes, bon, on va dire d'aujourd'hui pour un jeu indé. C'est, disons que, il y a un filtre qui rend le... Il y a un peu un filtre qui fait qu'on voit pas trop, parce que les textures sont en vrai pas si ouf que ça. Donc la chaîne est pas non plus trop dégueulasse, mais bref, selon des critères d'une autre époque, le jeu est excellent. Selon nos critères d'aujourd'hui, pour un jeu indé, il pourrait sortir comme ça, en vrai. Le mec pourrait vendre sa démo 20€ sur Steam, les gens achèteraient, c'est sûr. Et je trouve ça assez incroyable. Donc écoutez, on se retrouvera un peu plus tard. Quand j'aurai bien customisé cette bagnole, pour faire une deuxième vidéo. Et s'il y a d'autres modèles de voitures dans la démo, je sais pas s'il y en a ou pas, parce que je suis pas allé aussi loin, mais s'il y a d'autres modèles de voitures dans la démo, bah écoutez, il y aura une troisième vidéo, sinon ça s'arrêtera à la prochaine. Voilà. Écoutez, moi je vous laisse là, c'était Doudou, bye bye !
Ah, cette musique, elle est cool en vrai.